depuis la dernière fois que vous êtes venus, certains d'entre vous. La soirée va être longue. Depuis que vous êtes venus, certains d'entre vous, la dernière fois, il a réussi son examen au Club des magiciens de Genève. Il est officiellement membre du Club des magiciens de Genève. Non, ça ne marchera pas. Depuis le 18 octobre, sauf erreur, où il a passé son examen, donc c'est le premier spectacle qu'il fait au nom du Club des magiciens en tant que membre. Il a déjà fait le spectacle, mais... Oui, en tant que membre. Un stagiaire. Donc on est particulièrement content de... En plus, ça tombe bien parce que c'est mon magicien préféré ce soir. C'était pas déjà Ben Delph? Non, mais vraiment, lui, parce que je n'étais pas sûr qu'il serait là, Nicolas, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais lui, c'est vraiment, Nicolas, c'est vraiment mon magicien préféré. Il vient tout chez ce garçon. Mais je voulais faire un tour de carte tout à l'heure. Je lui ai expliqué que je voulais faire son tour de carte qu'il a fait à l'examen. Ouais. Fais-le parce qu'il est un peu, il n'est pas prêt. Ah, il rame. Vas-y. Mais il m'a vu commencer le tour de carte et puis il m'a dit non, il s'est foutu de ma gueule. Parce qu'en fait, visiblement, je le fais moins bien que lui, donc... Je jette. Je ne sais pas s'il a besoin de ça, parce que s'il a besoin de ça, il y a mes cartes à l'intérieur. Donc tu disais, c'est ton magicien préféré. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes chez lui? J'aime tout chez le garçon. J'aime bien son chat. C'est pas parce qu'il n'a pas de maman, c'est parce qu'il ne sait pas quoi dire. Non, mais c'est mon magicien préféré. J'aime ses... Il squatte. Il est quoi? T'as besoin de ça? Ça va aller vite. Non, c'est juste pour faire un gag. Ok. Voilà, alors, il est prêt, visiblement. Mon magicien préféré ce soir. Hein, parce que comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle pas, il vient tout seul. Non, je vous demande d'applaudir Nicolas.